Je suis Ojoko. Oui, oui. Le fils du lion. De la source d'Obolanze, le grand souverain de la région d'Ibako. La peur d'un père. Même les éléphants fuient quand ils sentent votre présence. Toi, ce vaurien. Désolé. Qui ose parler mal de moi. Non. La ferme. Idiot. Je m'en ai... La ferme. Idiot. Dégage d'ici. Sors d'ici. Sors. Debout. Allez, bouge. Sors d'ici. Mon roi, le peuple en a marre. Il demande votre tête. Tu dis ma tête? Votre Majesté, c'est une affaire sérieuse. Cela n'a absolument rien de drôle. Mon roi, vous devez nous écouter.
les membres de votre cabinet. Car vous parlez de la demande du peuple. Vous êtes allé trop loin. Vas-tu te taire ? Comment oses-tu me parler de cette façon ? As-tu oublié que tu es en présence de ton roi ? Mon roi, pardonnez nos manières, mais vous ne nous laissez pas d'autre choix. Oui, Majesté. Nous devons en parler avant que le peuple ne commence à douter de votre règne. Personne ne contestera jamais mon trône. Personne. Je suis Yodoku, fils de Bolanze. Personne ne peut ou voudrait contester mon trône. Mais votre majesté... Hey, tais-toi. Je ne veux plus parler plus que ça. Et si vous n'avez plus rien d'autre à me dire, j'apprécierais que vous libériez cet endroit. Ngachi ? Unoma ? Mais où sont ces filles ? Ngachi ! Unoma ! Unoma ! Vous ne m'avez pas entendu vous appeler ? Pas-je crié avant que vous me répondiez ? Dois-je ? Non. Pardonnez-nous, votre Altesse. Nous étions occupés à la cuisine. Son Altesse... Occupée à faire quoi ? Son Altesse nous a demandé de l'aider à la préparation, en cuisine. Que t'ai-je entendu dire ? Son quoi ? Son Altesse. Si tu prononces encore ce nom, tu auras de mes nouvelles. Désolée. Bandit Jad, venez avec moi. Merci. Unoma, Nkesi, Unoma. Votre Altesse. Et où étiez-vous? Vous sortez d'où? Nous, quoi? Vous avez perdu votre langue? Je vous ai demandé de vous occuper de ma cuisine. Que se passe-t-il? Oui, vous l'avez demandé, votre Altesse. Mais son Altesse nous a empêchés de faire votre cuisine. Elle a fait quoi? Oui. Elle nous a demandé de préparer son repas à la place. Non. Pas aujourd'hui. Cette bonne à rien doit prendre conscience de sa place dans cette maison. Je dois m'assurer de la mettre à sa place. Quelles sont ces bêtises? Et vous deux, je reviens pour vous. Idiote. La personne que je cherchais. Pourquoi? Oh. Donc, tu peux voir la tenue que je porte aujourd'hui et tu veux la copier? Tu dois être stupide si tu penses que je copierai ta tenue hideuse. Pour quelqu'un qui manque d'élégance et de splendeur... Peu importe. Écoute, Sylvia. Il est grand temps que tu arrêtes de me nuire dans ce palais. Je peux faire ce que je veux. Ni toi, ni personne ne peut rien y faire. C'est ainsi. J'ai envoyé mes servantes s'occuper de ma cuisine et tu les as arrêtés. Pourquoi? Je ne pense pas te devoir une explication. Vraiment? Écoute, Sylvia. Un de ces jours, je te ferai ravaler tes mots. Que ce jour arrive. Si tu as fini d'aboyer, tu peux t'en aller. Note mes mots. Tu ravaleras tes mots. Papa, tu pars déjà? Oui, le roi m'a fait appeler. Papa, j'espère que tu ne vas pas le soutenir. Nous savons tous les deux que c'est un roi. Ne dis pas ce genre de mots méchants. Je ne t'ai pas élevé comme ça. Papa, tu sais que j'ai dit la vérité. Rien d'autre que la vérité. Odioku est un tyran. Quelqu'un qui ne veut pas que la paix règne dans ce royaume. Hé, hey, Santo. De telles paroles pour ton roi? Ton roi, roi de ce royaume? Non. N'oublie pas que les murs ont des oreilles. Et quand les mauvaises personnes entendront ce que tu dis, elles te causeront des problèmes. Papa, tes gens et toi devraient savoir que je n'ai peur de personne. Je ne le suis pas. Odioku et ses gardes ne peuvent pas me piétiner. Ils ne peuvent pas. Eh bien, je ne vais pas rester là à discuter avec toi.
Le roi m'attend au palais. J'ai dit juste la vérité. À plus tard. Papa, sois prudent. J'ai dit juste la vérité. Tu parles et ça arrive. Tu es l'ami de mon père et l'ami du trône. Que disent les dieux? Ujoku, vous êtes le fils du lion. Vous êtes celui dont les dieux ont choisi. D'accord. Et dis-moi ce que je veux entendre. Soyez patient, mon roi. Les dieux sont là pour parler. Tu as parlé de patience? Je n'ai pas été assez patient. J'ai été patient pendant très longtemps. Quand est-ce que les dieux me donneront ce que je demande? Mon roi. Mon roi. Oh, ne me distrais pas, Ago. Ne le fais pas. Parce que je vais chercher une solution. Si les dieux continuent à garder le silence. Écoutez, Ujoku. Vous ne devez pas questionner les dieux. Ago. Je suis Ujoku. Le fils d'Abolanzi. Je n'ai peur de personne. Ma fille. Merci beaucoup. Tu vois, tu mérites quelque chose, ma fille. Hein? Ce vin de palme est quelque chose. Tu aimes? D'accord, prends ton repas, je vais aller au marché. S'il te plaît, quand tu iras au marché, n'oublie surtout pas d'acheter du haricot. Je suis vraiment fatiguée de manger toute cette nourriture des Blancs. Achète du haricot et même le haricot d'Agorago. D'accord, hein? S'il te plaît. Je vais te chercher de l'eau. Ok. Je ne me dérange même pas. Oh, Dima, ça ne peut même pas m'arriver. Écoute que je te dise. Un jour, nous nous réveillerons pour voir qu'il n'y a pas de toit au-dessus de nos têtes. Qu'as-tu dit? Un jour, nous nous réveillerons pour voir qu'il n'y a pas de toit au-dessus de nos que têtes. Que Dieu nous en préserve. Comment peux-tu dire cela? Qu'est-ce que tu espères? Nous avons un tyran pour roi. J'espère juste qu'un jour, Ojoko pourra payer pour tous ses mauvais actes. Je veux lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Somto, calme-toi. Calme-toi. Comment puis-je être calme et béré? À chaque fois que je me rappelle de ses mauvais actes, mon sang bout. Ça bout. Ça ira, laisse les problèmes de Joko, allons-y. Hé, hey, femme. Combien de fois t'ai-je interdit de ne plus mettre tes pieds sur ce terrain? Combien de fois? Mon roi, je suis désolée. C'est l'unique portion de terre que mon mari a laissée pour les enfants et moi. Vas-tu te taire? Tu es stupide. Mon roi, je suis désolée. Tu es stupide. Quel ordre es-tu censé exécuter? Celui de ton mari ou celui de ton roi? C'est l'ordre de mon mari. Je suis désolée, mon roi. Non, 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 t'as pas à être désolée. Il n'y a aucune raison. Au moment où j'en finirai avec toi, tu auras des raisons d'être désolée. Kala? Oui, votre majesté. Amène-la dans la voiture. Amène-la. Mon roi, mon roi, mon roi, mon roi, mon roi, mon roi. Qui es-tu? Et qui te donne le droit de te tenir devant ton roi et de parler de telle manière? Qui ou ce que je suis n'a pas d'importance. Mais je ne resterai pas ici de regarder humilier cette femme. Vraiment? Je vois que nous avons là une héroïne. Oh oui. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui est ton jour de chance. Parce que je n'ai pas ton temps. Et si j'étais toi, je courrais aussi vite que mes jambes me sortiraient de cet endroit. Maintenant! Je ne partirai pas jusqu'à ce que tu libères cette femme. Sans toi, allons-y. Vraiment? Laisse-moi, je ne vais nulle part. Alors bien. Je vais la libérer. Juste comme tu l'as demandé. Mais tu sais quoi? Tu vas prendre sa place, Kala! Oui, votre majesté! Attrape cette fille! Mets-la dans la. Tais-toi! Allez! Allez-vous-en! Dépêchez-vous, courez! Courez!
N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Hé, Béré. Papa, c'est... Ma fille, pourquoi est-ce que tu cours comme ça? Comme si quelqu'un était à ta poursuite. Papa, c'est Somto. Somto? Qu'est-ce qu'il a? Le roi l'a amené contre sa volonté. Dieu de nos ancêtres! Que s'est-il passé? On revenait du marché et on a vu Ojoku, le roi, il violentait une femme et Somto a essayé de l'aider. Oui, et que s'est-il passé? Parle! Le roi s'est mis en colère et l'a amené... Papa, tu dois l'aider. Papa, s'il te plaît, j'ai peur qu'il la punisse sévèrement. Papa, ne t'inquiète pas. J'irai là-bas et je vais tout faire pour ramener Somto au palais. Écoute, je reviens. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Ma fille, votre Altesse. Ta fille? Oui, celle que vous détenez captive. Oui, c'est celle qui détient mon cœur. Ce n'est pas possible. Eh bien, c'est possible, mon roi. Elle s'appelle Somto, mon unique enfant. Agu, je sais que tu as une fille. Mais... Eh bien, peu importe. Qu'elle soit ta fille ou non, ça m'importe peu. Parce qu'elle m'a défié et elle doit être punie. Mon roi, je suis venu ici pour plaider en sa faveur. Je sais que ce qu'elle a fait en ce jour était une grave erreur. Osez vous défier en ce jour... Ce qui est punissable par ma loi. Majesté, je vous en prie. S'il vous plaît, pardonnez-la, au moins pour cette longue amitié que j'ai entretenue avec votre défunt père. Je vous en prie, pardonnez-la. Viens avec moi. Et pourquoi devrais-je? Le roi exige ta présence. Et si je refuse? Ton père est ici. Mon père? Tu ferais mieux de me suivre avant que le roi ne change ta vie. Je vais bien. Ils n'ont pas pu atteindre mon esprit. Majesté. Merci. Tous les deux partent immédiatement avant que je ne change d'avis. Père.
faire. Me laisser m'exprimer. Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Santo, il est le roi et doit être traité comme tel. Papa, pas quand il s'agit d'un tyran. Papa, il fallait voir la façon dont il a traité cette femme. Santo, Chuku. Hein? Tu ne peux pas du tout sauver tout le monde. Tu dois comprendre ça. Et tu ne peux pas porter le poids de tout ce royaume sur tes épaules. Papa, je sais. Mais je veux que tu comprennes. Je ne peux pas baisser les bras comme les autres. Santo, je le sais. Mais tu dois aussi arriver à comprendre que tu es mon seul enfant. Et je ne peux pas supporter que quelque chose t'arrive. Rien ne m'arrivera, papa. Rien. Je l'espère. Je l'espère vraiment. Allez, viens. Ne prends pas tout sur toi. Votre Altesse, sachez que nous prenons votre intérêt à cœur et celui du peuple. Ignatius, je ne comprends pas ce que tu dis. Je pense que ce qu'Ignatius essaye de dire, c'est que nous sommes tous inquiets. Oui, Votre Altesse, nous sommes inquiets. Car cela fait longtemps que vous êtes marié à votre deuxième épouse. Nous sommes là pour entendre le cri d'un bébé dans ce palais. Votre Altesse, le trône a besoin d'un héritier. Je vois. Mais, Votre Altesse, vous ne comprenez pas ce que nous sommes en train de dire. Oh, je n'ai rien dit. Traître. Traître! Ne me dites pas que vous, là, vous en aviez discuté derrière mon dos. Pas du tout. C'est juste que... C'est juste que vous ne soulèverez plus jamais ce sujet. Jamais! Monsieur, je vais comprendre. C'est clair pour tout le monde. Oui, Votre Altesse. Oui, Votre Altesse. Ma puce, je suis désolée pour ce qu'ils t'ont fait. Raconte-moi. Ebere, peux-tu imaginer qu'Odjoko a ordonné à ses gardes de m'enfermer dans la cage? Quoi? Je ne veux même pas en parler. C'est une expérience horrible. Tu vois. La prochaine fois, tu apprendras à t'occuper de tes affaires. La prochaine fois, je ne le ferai pas. Note mes mots. Attends un peu. Pourquoi es-tu comme ça? Non. Même si tu n'as pas pitié de toi-même, aie pitié de ton pauvre père. Il était inquiet de tout ceci. Ebere, je sais que tu t'inquiètes pour mon père. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous laisser Kondioku s'en sorte avec tout ce qu'il fait? Ma copine, ce n'est pas à toi de rendre justice. Nos dieux se chargeront de lui. Prions juste. Je l'espère. Oui. Mon mari. Oui. Je peux voir que vous sautez. Qu'est-ce qu'il y a? Puis-je vous accompagner? Ta compagnie ne m'intéresse pas. Désolé. Thank you.
Bienvenue, mon mari. Ouais. Dieu merci, tu es de retour. Merci. Sylvia, qu'est-ce qu'il y a? Mon roi, je voulais te parler. Sylvia, tu vois, je viens juste de rentrer et je suis très fatiguée. Donc, quoi que tu veuilles me dire, cela peut attendre, d'accord? Non, mon seigneur. C'est très très urgent et je ne peux pas te voir autant que je le souhaite. D'accord, je t'écoute. Ok. Mon amour, j'ai un plan très merveilleux. Ok. Devine. Qu'est-ce que c'est? Je réfléchissais. Non. Nous devons nous prendre de belles vacances. Peut-être qu'au Royaume-Uni ou aux Bahamas. Vraiment? Oui. Pour faire quoi? Juste pour des vacances. Est-ce que partir aux Bahamas ou aux USA me donnera un fils? Mais mon mari, je ne suis pas le dieu qui donne les enfants. Très bien, alors va chercher les dieux qui donnent des enfants et demande-leur que ton mari a besoin d'un héritier. Quand tu auras un fils de moi, nous pourrons parler des Bahamas et de là où tu veux. Mais mon amour... T'ont-ils dit que les gens partent aux Bahamas et au Royaume-Uni avec un utérus endommagé pourri? Sors d'ici. Sors rapidement d'ici. Mais mon mari, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. Oh mon Dieu. Et qu'est-ce qui est drôle? N'est-ce pas drôle? Tu agis comme si tu étais tout ce qui compte. Mais en réalité, tu n'es rien. Écoute, Chiamaka, je n'ai pas le temps de me battre avec toi. J'ai des choses bien plus importantes à faire. Oh! Pour rêver de ton voyage imaginaire, Bahamas. Je ne comprends pas, mais une minute. Comment est-ce que tu le sais? Comment je le sais? Disons que les murs ont les oreilles. Sylvia, tu veux amener notre mari. Allez, Sylvia, pourquoi? C'est notre mari, pas le tien. Ça fait mal. Oh mon Dieu. Tu veux voyager aux Bahamas? Bahamas! Oh mon Dieu! C'est bien, dans tes rêves. Ignatius. Bafo. Je suis très confus en ce moment. As-tu entendu ce que Djoko a dit? Que les dieux parleront au bon moment. Quel est le bon moment? Est-ce quand nous aurions rejoint nos ancêtres? Mon frère, on dirait que les dieux nous punissent de quelque chose que nous ne savons pas. C'est regrettable que nous ayons un tyran comme roi. Comme j'aurais aimé que ce soit à l'époque de son père. Tu as raison. Mais que pouvons-nous faire? Depuis que notre feu roi a rejoint nos ancêtres, le royaume du Bako est devenu l'ombre de lui-même. Hein? Pourquoi les dieux nous puniront-ils de quelque chose dont nous ignorons? Je prie que les dieux de notre royaume aient pitié de nous. C'est notre seule chance. Tu dis? D'accord, continuons. Parce que ce que je vois... Je ne te le fais pas dire. Ah, je suis tellement confus.
Je vous salue, ma reine. Regarde la façon dont elle marche. Elle agit comme si elle détenait le monde. Pourtant, elle ne peut même pas donner un héritier au roi. Je la plains avec tout l'argent qu'ils prétendent avoir. Même les dieux sont contre eux. Mon mari m'attend à la maison. Il faut que j'y aille. Allons-y. Ma chère, tu n'en croiras pas ce que mes oreilles ont entendu aujourd'hui. Tu n'en croiras pas. Allez, parle. Qu'est-ce que tes yeux ont vu? Sur le chemin aujourd'hui, tu sais comment la reine se comporte, non? Se pavant dans tout le village, mais aujourd'hui n'était pas son jour. Vas-tu me dire ce qui s'est passé ou dois-je m'en aller? Non, toi aussi. Calme-toi. Tu connais ton problème? Patience. Tu es toujours impatiente. Bien. Tu sais que le peuple, dit Brac, ne déteste pas la femme du roi. Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Il la traite de stérile. Oh! Eh oh, Kimo! Et que s'est-il passé? Tout a été un choc pour moi. Rien ne s'est passé. Rien. Elle n'a même pas placé un mot. Elle est partie. Oh! C'est étrange. Tu veux dire qu'elle est juste partie, sans dire un mot? Du jamais vu. Oh! Observons seulement, d'accord? Je retourne à ce que je faisais. Bye. Mon roi. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mon roi. Hein? Ça fait un bail que tu n'as plus visité ma chambre. Quelle importance pour moi de visiter ta chambre quand tu ne peux pas tomber enceinte? Mon roi, tu me blesses avec tes mots. Je suis encore ta femme. Si tu ne veux pas être blessée par mes mots, pars d'ici immédiatement et retourne dans ta chambre. Mon roi. Ouais. Sors d'ici. Lâche. Ma fille, qu'est-ce qui te tracasse? Papa, je ne sais pas. J'ai un mauvais pressentiment. Je pressens comme si le monde entier se retournera contre moi. Il n'y a pas à s'inquiéter, ma fille. Les dieux sont avec nous. Tu le penses vraiment, papa? Sont-ils vraiment avec nous? Oui, bien sûr, et à tout moment. Eh bien... Ne te laisse surtout pas affaiblir.
Ok. Les yeux des dieux. Qu'est-ce que les dieux t'ont révélé? Je manque déjà de patience. Majesté. Grand-fils du lion d'Ibakwa. Est-ce que les dieux t'ont déjà déçu? Pourquoi n'as-tu pas de patience? Pas de patience? N'ai-je pas attendu assez? Je veux dire, combien de fois dois-je attendre pour prouver ma fidélité aux dieux? Votre Altesse, les dieux parleront encore. Je le sais, je peux le sentir. Tout ce que vous devez faire, c'est d'avoir un peu de patience. Les dieux attendent-ils que le trône dorme sur ma tombe? Avant de te parler de moi, je te demande un goût, réponds-moi. Votre Altesse, j'ai peur que ce ne soit une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je suis très fatiguée. Et je dois encore aller chercher le manioc à ma mère. Oh, Ebere, ne t'en fais pas. Je vais aller avec toi. Je n'ai rien à faire à la maison, donc on verra ça. Samto, tu viens avec nous? Samto! Hein? Que dites-vous? À quoi pensais-tu? Samto! Oh. Que disait-elle? Je t'observe depuis et tu as l'air vraiment perdu. S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je réfléchissais juste à quoi préparer pour mon père. Samto, es-tu sûre? Oui. À quoi d'autre devrais-je penser? D'accord. Eh bien, et s'il te plaît, si tu dis que tu es sûre, que dois-je dire? Non, papa, tu ne peux pas faire ça. Samto, je ne peux plus garder ça pour moi. Écoute. J'étais avec le roi un peu plus tôt ce matin, et c'est évident qu'il a perdu la foi aux dieux. Mais papa... Je ne peux plus du tout garder ça pour moi, ma fille. Nous devons simplement le lui révéler. La prophétie ne peut pas rester cachée. Alors, papa... Tu veux envoyer ta propre fille dans la gueule du loup? Eh bien, si c'est la volonté des dieux. Nous devons absolument révéler au roi que toi, Samto, tu es celle... Qui doit sauver ce royaume? Non, papa, je ne peux pas accepter ça. Je ne veux pas épouser Onjoku. Papa, tu ne peux pas me sacrifier aux dieux. Oh non, Samto, tu sais que c'est impossible. Tu le sais. Papa, pourquoi moi? Pourquoi moi? Ma fille, nous ne connaissons pas les voies des dieux. Ce sont leurs instructions, alors nous devons obéir. Papa, j'ai peur. J'ai peur, je ne suis pas faite pour épouser Onjoku. Ma fille, c'est la volonté des dieux. Votre Altesse, le sol est aride. Les rivières s'assèchent. Oui, Votre Majesté. Au cours des dernières années, toutes nos récoltes sont mortes. Votre Majesté, ils ne sont pas loin de la vérité. Vous devez faire quelque chose. Notre peuple vit dans la peur. S'il vous plaît. Ancien du royaume d'Ibako, je vous ai entendu.
Et je vous rassure que moi, Ochoko, votre roi, le grand-fils d'Abualanzé, ne restera pas assis et voir son royaume être menacé du péril. Vous avez bien parlé, mon roi. Votre Altesse, quelle est donc la solution? Kala. Oui, votre majesté. Envoie l'un des gardes d'aller me chercher le conseiller du roi. Bonjour. Je suis là pour le conseiller. Je vais l'appeler. Papa. Ouais. Il arrive. Bon après-midi, grand conseiller du royaume d'Ibaku. Le roi demande votre présence immédiatement. Très bien, je serai avec le souper. Très bien. Papa. Santa. Il est temps. Sinon, les dieux vont se mettre en colère. Mais père, je... Écoute, je dois absolument révéler sa prophétie au peuple. C'est la seule façon pour que toutes les calamités qu'a subies le peuple puissent s'arrêter. Père, s'il te plaît, ne me laisse pas endurer ça. Je t'en supplie. Pardonne-moi, mon enfant. Pardonne-moi. Bon après-midi, Votre Altesse. Bon après-midi à vous, anciens du royaume d'Ibaqua. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon arrivée. Et quelqu'un ici doit faire savoir que je ne peux plus attendre les dieux. Votre Altesse, vous n'avez plus besoin d'attendre. Bien, parle-moi. Eh bien, il est écrit que celui qui enfantera l'héritier du trône débarrassera aussi le pays de toutes ses calamités. Voilà la prophétie. Qui a un tel pouvoir? Ah, oui, Agu. Qui est-elle? Est-elle native du royaume? Parle, conseiller. Ton roi t'écoute. Celle que les dieux ont choisie, c'est ma fille, Santo. Hein? Majesté,
Quelle grande surprise de vous voir ici chez moi. La dernière fois que je vous ai vu ici, vous étiez très jeune. Où est votre fille? Elle est à l'intérieur. Va la chercher immédiatement. Je vous en prie, asseyez-vous. Je ne suis pas là pour l'hospitalité. C'est d'accord. Je vais l'appeler. Bien. Somto? Bien, le roi est ici pour te voir. Prépare-toi à te marier au roi le plus tôt possible. Et qu'est-ce qui te fait croire que j'épouserai un homme comme toi? Est-ce que tu viens de me répondre? Somto! Papa, s'il te plaît, laisse-moi m'exprimer. Qui penses-tu être? Oh, Djokou, laisse-moi te demander. Penses-tu que si tu me dis de sauter, je vais demander à quelle hauteur? Le penses-tu? Penses-tu que je veux prendre une autre femme? Et même si je le voulais, qu'est-ce qui te fait croire que je viendrais pour une racaille comme toi? Oh, tu me traites de racaille. Bien sûr que tu en es une. Il est vrai que je fais ceci juste pour mon royaume. Je ne suis pas intéressée. Tu n'as pas de choix. C'est la prophétie. Je m'en fiche de la prophétie. Votre Altesse. Oui. Pouvons-nous te parler? De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est vrai, cette rumeur qui s'est dit. De quelle rumeur parlez-vous? Que tu veux épouser une autre. Oui. Une autre qui me donnera une héritière, selon la prophétie. Mais votre Altesse, tu ne la prends évidemment pas pour épouse, n'est-ce pas? Bien sûr que je vais la prendre pour épouse. Mais pourquoi? Votre Altesse, mon mari, ne sommes-nous pas belles? Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. Mais que pensons-nous faire? Ojoko a décidé. Et ne l'oublie pas, ça a été décidé par les dieux. La prophétie doit s'accomplir. La prophétie peut être détournée. Chiamaka, réfléchit très bien. Réfléchit très bien. S'il ramène finalement une autre ici, ce sera fini pour toi et moi, parce qu'elle lui donnera enfin un héritier. Ça semble correct. Tu as raison. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Somto, alors c'est vrai? Oui, c'est vrai. Incroyable. Attends, tu vas l'épouser? Ebere, je ne veux pas l'épouser. Mais qu'est-ce que je vais faire? Écoute, ça ira. Ne t'inquiète pas, ça ira. Écoute, les dieux ne te laisseront pas tomber, d'accord? C'est juste, je ne sais pas. Ebere, je suis confuse. Les gens d'Ibaku ont besoin de moi. Somto, je sais que tu feras ce qui est juste, d'accord? Juste, écoute ton cœur. Thank you.
Ma fille. Papa. Pourquoi est-ce que tu rends les choses si difficiles pour toi-même, ma fille? Papa, c'est une décision très difficile pour moi. Je trouve très difficile d'accepter mon destin. Écoute, ma fille. Comprends que je suis ton père. Et que je ne te jetterai pas dans la gueule du loup intentionnellement. Je sais. Tu sais. Mm-hmm. Accepte ton destin. Accepte ton destin. Tu ne peux pas continuer ainsi. Tu ne peux rien faire d'autre. Ennuis. Si c'était toi, tu n'aurais pas d'ennuis. Je veux dire, qui, avec tous ses sens, voudrait épouser ce tyran de roi? Santo doit épouser le roi parce qu'elle a été choisie par les dieux. Il n'y a rien que personne ne puisse faire à ce sujet. Qui voudrait bien épouser ce... Bon après-midi. Ike, comment tu vas? Je disais qu'elle a été choisie par les dieux et il n'y a rien que personne ne puisse faire. Personne. Je sais. Mais quelle que soit sa décision, nous devons juste la soutenir. Oui, ma sœur, nous devons. Bon après-midi, mes reines. Comment puis-je vous aider? Tu peux nous aider en refusant d'épouser le roi. Je n'ai jamais demandé à épouser le roi. Mais c'est ton droit de refuser l'union. Et quel problème aurez-vous avec moi si je me marie avec le roi? C'est pour ton propre bien. Et je suis sûre que tu n'es pas indifférente à la volonté du roi. Comment une belle fille comme toi peut se rabaisser de la sorte? Se rabaisser, vous dites? Et vous êtes toutes les deux mariées à lui. Tu nous questionnes? Non, je veux dire, comment pourrais-je questionner les reines du royaume d'Ibako? Je peux voir que tu essaies de faire le clown. Mais laisse-moi t'avertir. Sois prête à danser n'importe quelle musique qui t'est proposée. Oh oui. Car celui qui cherche à ramasser un bois rongé par les fourmis doit s'attendre à la morsure du lézard. Après tant de réflexion, j'ai décidé d'épouser Onjoku. Hein? Que les dieux soient loués! Ma fille, tu as vraiment fait quelque chose de très sage. Je vais tout de suite en informer le roi. Papa, je veux que tu saches que si je fais ceci, c'est pour toi. Et pour le peuple du royaume d'Ibako. C'est déjà assez. Et pour cela, les dieux vont certainement continuer à te bénir. Hein? Tu vas entrer dans cette maison royale. Et tout le monde entendra les cris d'un bébé, un petit garçon. Je l'espère, papa. Et je serai plus proche du roi. Ne t'inquiète pas. Hein? Et quelle bonne nouvelle.
j'ai décidé d'épouser le roi. Somto, es-tu sûre? C'est vraiment ce que tu veux? Je dois le faire. Le peuple a besoin de moi. Ah, mais qu'en est-il de ton bonheur? Ça ne devrait-il pas venir en premier? Eh bien, ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui importe, c'est le bonheur de notre peuple. Ah, Somto, tu veux dire que tu sacrifies ton bonheur pour le peuple d'Ibakwo? Oui. Oh. Somto, tu es une personne incroyable et je prie que les dieux te bénissent. Aujourd'hui est en fait un grand jour dans le royaume d'Ibakwo. Votre Majesté, vous avez raison. Et bientôt, un héritier sera né. Oui. Oui, bientôt, très bientôt. Tu es la bienvenue une fois de plus, notre reine. Merci. Dibon, Kwen! Hey! Kwen! Hey! Sion, hey. Hey. Merci. Hey, Gwen. Onyoko, s'il te plaît, laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Onyoko, je veux que tu saches que je ne t'aimerai jamais. Je ne serai jamais à toi. Je ne te le demande pas. Tout ce que je veux est que tu fasses ton devoir conjugal. Et je pars. Je te déteste. Je te déteste de tout mon cœur. Je déteste le fait que tu sois si arrogant. Tu ne te soucies de personne, en fait. Peu importe ce que tu ressens pour moi. Penses-tu que je m'en soucie? C'est immatériel. Je veux dire, j'ai beaucoup de choses à me soucier. Maintenant, écoute-moi très bien. Tu dois faire ton devoir conjugal. Alors, prépare-toi pour ça. Peut-être t'es déjà prête. Ou tu veux mettre quelque chose. Tant je reviendrai. Somto, où penses-tu aller? En promenade. Ou alors je n'ai plus le droit de me promener? N'oublie pas que ton statut a changé. Et que tu es mariée à l'homme le plus puissant d'Ibakwo. Quand vas-tu cesser de me le rappeler? Je ne cesserai de te le rappeler parce que c'est si difficile pour toi de comprendre que tu n'es plus la Somto que tu étais avant. Il ne te permet plus jamais de quitter cette cour sans tes servantes et tes gardes. Je n'ai besoin d'aucune servante ou garde. Je tourne en rond dans cet endroit depuis que j'ai été emmenée. Je t'ai donné un ordre et je veux que tu l'exécutes.
Santo Ojoko, tu as désobéi à mes ordres. Beaucoup de personnes qui m'ont désobéi, je veux dire, qui ont fait ce que tu fais maintenant, ont été punies. Tu peux me punir si tu veux. Mais je ne pourrai jamais obéir à un tel ordre. Tu testes ma patience, femme. Je n'ai pas peur de toi. Et je ne succomberai jamais à ta volonté. Somme tout monte dans la voiture maintenant avant que je ne fasse quelque chose que je regretterai. Je suis désolée, mon roi. Mais je veux marcher. Somme tout. On doit vraiment marcher? T'es vraiment sûr? Oh oui. Ok, d'accord. Je pense que tu devrais retourner. Parce que tu n'es pas habitué à marcher. Tu le penses? Bien sûr. J'ai remarqué que les gens du royaume d'Ibako t'aiment beaucoup et te respectent énormément. Eh bien, c'est parce que je suis comme eux. Je peux me rapprocher d'eux. Je peux aussi me rapprocher. Eh oui. Juste que, quand ils me voient, vois-tu, il y a cette peur. Comme s'ils avaient peur, comme si j'allais les avaler. Ça, je peux comprendre. C'est parce que... Votre Majesté. C'est exactement ce que je te disais. Si tu veux que les gens t'aiment et te respectent, tu dois les aimer et les respecter aussi. Ça sonne vraiment drôle. Moi, Ojoko, aimer et respecter mon peuple? Non. Je dirais que tu n'as pas tout le zèle pour gagner un royaume. Et tu penses que tu l'as? Eh bien, à ma connaissance, je pense que je l'ai. Si tu veux que je t'aide, demande-le-moi et je t'aiderai. Eh bien, je pense que tu ne sais pas ce que veut dire être un roi. Bien. Je vais laisser passer cette fois. Je te dis, je n'ai pas cru mes deux yeux lorsque j'ai vu Joku et sa nouvelle femme revenir de Dieu sait où à pied. Tu sais, ce dont j'ai peur est en train d'arriver. Et qu'est-ce que cela pourrait être? Utilise ta tête. Chi, utilise ta tête. Ne peux-tu pas voir que c'est ce qu'elle a entre les mains? Et quand ça arrivera? C'est fini pour toi et moi. Non, mais nous ne laissons pas ça arriver. Nous ne pouvons pas. Bien sûr que non. Elle a trouvé faveur aux yeux des dieux. Mais elle ne trouvera jamais faveur aux yeux d'Ojoku. Oh oui, tu as tout dit. Tu as tout dit. Je te fais confiance. Tu es si drôle. Cet endroit est très grand. Ma copine, je suis très heureuse pour toi. Ah, tu es très belle. Eh bien, tu peux arrêter. Tu me fais rougir. Ah, tu devrais rougir. Qui ne rougirait pas? Habiter dans ce grand palais, dormir et se réveiller. Eh bien, tu vas me tuer. Ah, ça va. Tu ne vas pas mourir. Mais, Santo,
Tu as besoin de plus de servantes? Qu'est-ce que tu as dit? Si tu as besoin de plus de servantes. Mais tu es folle! Qu'est-ce que... Mais comment est-ce que tu peux dire ça? Je n'ai pas sérieuse. Je blaguais, mais cet endroit est très grand. Waouh! Wow. Très grand. Ma copine, dis-moi quelque chose. La vérité. D'accord. Le roi te traite-t-il équitablement? Que veux-tu dire? Somto, tu sais exactement ce que je veux dire. Ah, oui. Il me traite équitablement. Je pense que si tu le connaissais comme je le connais, tu saurais qu'il en aime bien. Hein? Oui. Hein? Un homme bien. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour ainsi viendrait que ma copine, Somto, dirait quelque chose de bien d'Ojoku. Tu dis qu'il est un homme bien. C'est parce que je ne le connaissais pas. Hey. Qu'est-ce qui est drôle? Rien. Somto. Ceci veut dire que tu es amoureuse du roi? Quoi? Es-tu amoureuse du roi? Comment tu peux dire ça? Bien sûr que non. Regarde ton visage. D'accord, je ne dis plus rien. Eberi, arrête ce que tu dis là. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Tu as besoin d'une servante? J'ai dit que je n'en veux pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je n'en ai pas besoin. Arrête, je n'aime pas ça. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Eberi, tu ne vas pas me tuer. Je pensais que tu as fini. Oh non, s'il te plaît, rejoins-moi. Somto, ma charmante épouse, s'il te plaît, assieds-toi et rejoins-moi pour dîner. Ça va? C'est quoi ça? Je t'ai demandé de la pomme et non le pain. Je suis désolée, Votre Altesse. Quand j'étais en train de venir, la reine Sylvia les a pris. Et c'était les dernières dans la maison. Comment oses-tu? Personne ne s'occupe plus de moi dans cette maison. Tout le monde me manque le respect. Je suis désolée, Votre Altesse. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Elle m'a obligée à lui donner. Je suis désolée. Tu es vraiment stupide. Sylvia, Sylvia, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Je peux voir que tu continues avec tes anciens agissements. Qu'est-ce que c'est? J'ai envoyé ma servante me chercher les pommes et tu le lui as pris. Pourquoi? Qu'est-ce qui est drôle? Chiamaka. Alors tu es venue ici pour me combattre pour une place? Non, je ne suis pas venue te combattre. Je suis venue te mettre à ta place.
Je crois que tu dois diriger ton énergie vers Somto. Parce que progressivement, elle trouve sa place dans le cœur d'Ojogu. Oh non, s'il te plaît, épargne-moi de ça. Ojogu voit juste un héritier d'elle. Rien d'autre. Rien d'autre. Si tu le dis. Mais je pense autrement. Peu importe. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu aimes ta place dans cette maison, nous devons nous occuper de cette fille. Je ne peux pas m'asseoir et la regarder tout nous prendre. Ça, je ne peux pas. Dis-moi. Dis-moi alors. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mon roi. Oui, ma charmante épouse. Je vais aller voir mon père. Alors j'ai pensé que je devrais te le dire. Tu n'as pas besoin de ma permission pour aller voir ton père. Oui, où tu veux que je t'accompagne? Non. Je peux aller toute seule. Très bien, c'est d'accord. Rassure-toi juste d'y aller avec tes servantes et tes gardes. Je le ferai. Tu vois comment c'est beau. Quand tu fais comme je dis. Eh bien, c'est parce que je pense que tu agis bien. Vraiment? Oui. Mon mari. Tu vois, ça a l'air si doux. Quand tu m'appelles mon mari, pas cette... arrogant. Ce tyran. Tous ces noms que tu m'appelles, quel est cet autre nom-là? Je ne m'en souviens même plus. C'est tellement vilain. D'accord. Excuse-moi. J'ai tout pardonné, mon amour. Chaque personne devrait céder la place à l'autre. Celui qui dit que tu ne te marieras pas, que l'univers se retourne contre lui. Dieu de nos terres et Dieu de nos ancêtres. Nous venons vers vous pour être guidés. Nous venons vers vous pour être protégés. Chez nous, on dit généralement que la paix est méritée. Quiconque essaiera de nuire à ma fille, eh bien, aura ce qu'il mérite. Ma fille sera la gardienne du poulailler. Quiconque la poursuivra tombera. C'est la volonté des ancêtres. La fille redoutable de son père, elle a été choisie dès le commencement. Elle est la gardienne de son peuple et non le contraire. Dieu de nos terres et Dieu de nos ancêtres, protégez-nous. Dieu de nos terres, Dieu de nos ancêtres, protégez-nous. Protégez-nous. Ma fille. Papa. Sois la bienvenue. Merci, papa. Comment tu vas? Je vais bien. Super. Papa, tu as l'air si maigre. Es-tu sûr de bien te nourrir? Eh bien, il n'y avait personne pour me préparer de très bons repas depuis ton départ. Désolée pour ça. Je devrais venir te faire à manger. Ah non, tu ne peux plus faire cela. Tu es la femme de quelqu'un maintenant. Et je sais que tu sais bien que je peux prendre soin de moi. Je sais, papa. Je te taquine juste. C'est bon. Bien, dis-moi, ma fille. Comment tu vas? J'espère que ton mari te traite bien. Oui, papa. Mon mari me traite bien. Ah, c'est le genre de choses que j'aimerais entendre. Hein? Que les dieux continuent à te bénir. Amen. Que les dieux continuent à combler ta maison de bénédictions. Amen. D'accord, papa, je vais à l'intérieur du four. Allez, ne te dérange surtout pas. Je te taquinais juste. Et je t'ai dit que je peux prendre soin de moi. J'insiste. Ok, je le fais vite. D'accord. Hein? Hey, merci Dieu.
tout le monde ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Majesté, pour cette opportunité. Cet homme ici m'a emprunté de l'argent. Il a promis de me le remettre dans 2 semaines. Mais votre Majesté, ça fait déjà plus de 2 mois. Je n'ai pas de ses nouvelles. Ce qu'il dit est vrai? Votre Altesse, tout ça c'est vrai. Mais je l'ai supplié de me donner plus de temps. Hein? Ma femme a été malade et les choses n'ont pas été faciles pour nous, Majesté. Votre Altesse, il ne dit pas la vérité. Cet homme, ici présent, a un immense terrain à l'extérieur d'Ibaku. Et c'est ce que tu essaies de lui prendre? Oui, celui-là. Votre Altesse, il a presque pris tout mon terrain. Et il nous rend la vie difficile, Votre Altesse. Nous sommes incapables d'avoir le pain quotidien. C'est vrai ça? Oui, Votre Altesse, mais il a promis de... Comment oses-tu le repousser sur son terrain? Ou qui t'a autorisé à le faire? Es-tu le détenteur des terrains d'Ibaku? Non, Votre Altesse. Mais il a... Tu t'es permis de me défier. En te faisant toi-même justice. Je suis désolé, Votre Altesse. Pardonnez-moi. Ça ne se fera plus. Partez tous les deux. Je vous communiquerai ma décision plus tard. Merci, Votre Altesse. Merci. Avez-vous remarqué le changement chez le prince? Hein? En fait, je suis surpris. Jamais de toute ma vie, je ne l'ai vu parler ou se comporter de la sorte. En fait, comme on le connaît, il se serait accaparé ce terrain. Mais aujourd'hui, il a fait l'inimaginable. Imaginez le roi. Écoutez, délibérez. Quelque chose qui n'est jamais arrivé. Tu peux le dire encore. Je suis ému. Aïe! Qui sait? Mon Dieu. Peut-être que nous sommes dans un rêve. En fait, si c'est un rêve, je préfère retourner dormir. En fait, je ne peux pas me réveiller. Hein? Que ce soit un rêve, je ne peux pas me réveiller. Je retourne dormir. Oui, je retourne dormir. Aïe! De retour? Oui. Comment va ton père? Il va bien. Bien. Tu sembles inquiet, mon roi. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Juste que... il y a cette affaire délicate. Sur ma table. Bien qu'avant, j'aurais pris une décision sans réfléchir. Et maintenant? Et tu vois, maintenant, je ne veux pas prendre de décision. Je veux être conseillé. Depuis que tu es entré dans ma vie, je vois les choses différemment. Dis-moi ce qui te dérange. Qui sait? Nous pouvons le résoudre ensemble. Thank you.
Ah, qui est-ce qu'on a là? Sa Majesté royale, ma fille. Père, comment tu vas? Ah, je vais bien. Jeune femme en rouge. Alors, papa, viens avec. Regarde ce que je t'ai apporté. Alors, comme ça, tu as préparé tout ceci pour moi. C'est sûr que tu ne veux pas que je manque de quoi manger. C'est l'idée, papa. Ah, Sa Majesté royale. Allez, viens t'asseoir. Viens D'accord. t'asseoir. Allez, assieds-toi. Mon préféré. Papa, comment connais-tu mon mari? Non, mais c'est quoi cette question? Je veux dire, que veux-tu connaître d'autre de lui? Qu'est-ce que tu veux exactement savoir? Le connais-tu comme une personne émotionnelle? Ah, eh bien, Ojoko, depuis qu'il est jeune, eh bien, je l'ai connu comme un homme très robuste et plein de vie. D'accord. Mais après la mort de son père, il a complètement changé. Il est devenu ce roi si dur et très amer que nous voyons là maintenant. Donc, il a été traumatisé par la mort de son père? Eh bien, je le crois bien, nous pouvons le dire ainsi. Je vois. Tu ne vois pas? Hein? Je suis désolée, Majesté. Tu veux mourir? Je suis désolée, Majesté. Tu es malade? Je n'ai pas vu la voiture venir. As-tu perdu tes sens? Es-tu stupide? Non, Votre Altesse. Mon roi. Hein? Je suis désolée. Elle dit qu'elle est désolée. S'il te plaît, pardonne-la. Elle doit être désolée. La prochaine fois, sois plus prudente. Ok? Avant de traverser la route, regarde à gauche, à droite, à gauche, encore avant de traverser. Oui, Votre Altesse. Merci. Dégage avec ma tête. C'est bon. Bien, on y va. Tu as été un gentleman. Moi? Je l'aurais directement amené chez moi et l'enfermé dans ma cage. Comme tu m'as fait. Parce que tu étais très têtu. Tu m'as défié. Je t'ai donné une leçon. Vraiment? Oui. Ce repas. C'est pour son Altesse, Zomto, Votre Altesse. Tu peux pas dire. Merci, Votre Altesse. Thank you.
Entrez. Votre Altesse, le repas est servi. Ne touche pas, Votre Altesse. Cette fille est une sorcière. C'est vrai, exactement, c'est une sorcière. Personne ne peut me dire le contraire. Cette fille est une sorcière et elle doit quitter cette maison. Sylvie a raison. Allez-vous vous taire? Votre Altesse, je vous en prie, qu'est-ce qui se passe ici? Ago, ta fille est-elle une sorcière? Père, ne dis pas un mot. Ils peuvent m'accuser s'ils veulent. Alors, Votre Majesté, je vous en prie, dites-moi exactement ce qui se passe. Je vais te le dire. Cette sorcière placée là debout a essayé de tuer le roi. C'est un mensonge. Tais-toi, nous avons tous vu. Ancien de nos terres, cette sorcière-là est venue dans ce palais pour nous éloigner de mon mari. Elle doit quitter ce palais parce qu'elle n'a pas de place ici. Tu es gentille, Sylvia. Si quelqu'un a sa place ici, alors c'est moi. Parce que je suis celle que les dieux reconnaissent. Djoko, promets-moi, devant les dieux, que tu seras mon ami pour toujours. Je te promets, je serai ton ami pour toujours. Donc, si quelqu'un a le droit de rester dans ce palais, c'est moi. Parce que Djoko et moi sommes unis par les dieux, il y a longtemps. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi devrais-je? Tu as promis ne jamais me quitter. Mais tu l'as fait. Quand j'ai perdu mon père, j'ai vraiment voulu tout oublier. Et moi y compris? Tu ne peux pas comprendre. J'étais blessée. Je n'avais ni père, ni mère. J'ai détesté le fait d'être seule. Donc, j'ai décidé de tout refouler. Et en plus, j'étais jeune. J'étais aussi jeune. Mais je ne t'ai jamais oublié. J'ai attendu pendant 20 ans. Juste pour que tu rentres déjà mariée. J'ai décidé de ne pas m'immiscer. Mais te détester pour toujours. Vraiment? C'est pour cette raison que tu as voulu m'empoisonner? Pour mes erreurs du passé? Tu crois vraiment que moi, Somto, du coup, voudrais tuer quelqu'un? Tu n'as pas répondu à ma question. Ah, finalement, cette sorcière partira. Oh, oui. Es-tu sûre qu'Odiogo la renverra après tout ce qu'elle a révélé? Qui se préoccupe des relations du passé? Je suis sûre qu'il la renverra. Je te fais confiance, parce que tu le domines.
Oh, ma chère, tout nous reviendra. Oh, sans oui. Sûr. Je t'aime. Waouh, très excitant. Très excitant. Bien. Rien qu'en pousse. Tu dois me dire la vérité, Ago. Ta fille est-elle une sorcière qui veut me tuer? Non, ma fille n'est pas du tout une sorcière. J'aimerais tout d'abord parler à ma fille. Vas-y, parle avec elle. Mais sache que le temps presse. Nous devons dire la vérité à tout le monde, Santa. Père, nous n'avons pas besoin de leur dire la vérité, oh. Tu le sais. Papa, comment penses-tu que les gens réagiront à la vérité? Tu perdras de l'estime. Je m'en fous complètement de moi. Ce qui m'importe, c'est ton bien-être. Santo. Père, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de leur dire. Vois-tu, mon enfant, je ne vais pas du tout t'écouter, plus cette fois. Nous devons leur dire la vérité, rien d'autre que la vérité. Comme le dit la tradition, dit Bako. Parle, Ago. Père, ne dis pas un mot. Je peux supporter les conséquences. Je suis désolée, ma fille. Le temps est venu pour moi de dire la vérité à ce peuple. Majesté. Peuple d'Ibako. Ancien. Santo que voici. N'est pas une sorcière. Santo. Est l'enfant élu, béni par les dieux. Elle a été mes yeux. Elle voit des choses et ensuite m'informe. Et moi, je transmets le message. Santo ne voulait pas du tout que je révèle qu'elle est celle qui voit les choses, de peur que je ne perde ma position devant les gens. Dieu de nos terres, protecteur de l'univers, pourquoi êtes-vous silencieux? Parlez-moi, dites-moi ce que j'ai besoin de voir, ce dont je veux savoir. Ne soyez pas silencieux. Dieu de nos terres, ne gardez pas le silence, je vous en prie. Parlez-moi. Dites-moi ce que je veux savoir. Papa? Hé, Santo! Allez, vas-y, rentre à la maison. Quand j'aurai fini, je viendrai. D'accord? Le roi et son fils seront là bientôt. Mais comment est-ce que tu le sais? Je le sais juste. Dépêche-toi, papa. C'est important que tu lui parles. Maniba quoi? Welonu. Ibako. Papa? Santo? Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Papa, le roi va mourir. Ya! T'en fiers quoi? Ne sors plus jamais ce genre de choses de ta bouche. Hein? Mais papa. J'ai fait un rêve, et dans ce rêve, j'ai vu le roi mourir. Écoute, Santo, ne permets pas qu'une troisième oreille écoute ceci. Ne parle de ça à personne d'autre. Oui, papa. Tu m'as entendu?
Agu, Agu, tu es encore là? N'as-tu pas entendu? Entendu quoi? Ibako a perdu un grand homme. Lequel c'est? Le roi est mort. Quoi? Tout le monde est encore sous le choc. Et... Ma fille, les dieux t'ont béni avec la voyance. Il est clair que j'ai perdu mon don. Et toi, tu as le nouveau don de voyance. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Ce que ça veut dire, c'est que tu es la nouvelle voyante. Regarde, tu as vu quelque chose qui devait arriver au roi. Tu me l'as dit et cela est arrivé. Mais papa, je peux faire d'autres choses. Vraiment? Que peux-tu faire d'autre? Je pense que j'ai le pouvoir de faire des choses. Ah. Écoute, ma fille, je vais te protéger maintenant. D'accord? Et nous n'allons parler de tout ceci à personne. Tu dois garder ça pour toi. D'accord, papa. Ok? Écoute seulement ton père. D'accord. C'est vraiment une histoire incroyable. C'est vraiment surprenant, votre majesté. Sumto, la voyante du roi, ça veut dire que... Ça veut dire que j'ai vu notre avenir ensemble. Tu as vu notre avenir? Y compris le poison? Je savais que le roi allait être empoisonné. Sylvia a empoisonné mon... Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Calme-toi, papa. Hey! J'ai encore des herbes à l'intérieur. Je peux les utiliser comme antidote. C'est pas vrai. Santo. Je sais pas. Tu es sûr que tu vas bien? Je veux dire, ne penses-tu pas que tu devrais parler de ça au roi? Papa, je le ferai. Mais au bon moment. Je dois avoir des preuves concluantes avant de les accuser. Es-tu sûr que tout ira bien? Je suis inquiet. Je peux encore aller intervenir. Non, papa, tu n'as pas besoin. Je le ferai. Je les exposerai au moment venu. Je vais prendre le secours. Ok. Sylvia. Alors, tu veux tuer ma fille? Tu n'as encore rien vu. Je les ai vus, votre Altesse. Oui. Es-tu sérieuse? Oui, votre Altesse. Vous savez que je ne peux pas vous mentir. Vous me connaissez. Merci. S'il te plaît, ne parle de ça à personne. Je ne le ferai pas. Oui. S'il y a des sorcières ici, alors c'est Sylvia et Chiamaka. Sylvia. Chiamaka. S'il te plaît. Comment avez-vous fait une telle chose? J'étais juste jalouse de Sumto. Je t'en prie, pardonne-moi. Mon mari, s'il te plaît, pardonne-moi. C'était l'idée de Sylvia. Elle m'a fait lier à elle pour détester Sumto. Qu'est-ce qui nous est arrivé, toi? C'est toi. C'est ton idée, le poison. Fermez-moi vos gueules.
et hors de ma vue. Mon mari. Hors de ma vue. Et immédiatement. S'il te plaît. Hors de ma vue. Et Kala. Oui, votre majesté. S'il te plaît, pardonne-moi. Hein? Allez, avancez. Dégagez. Pardonne-moi, mon mari. Allez, sortez. Dégagez. Sortez. Bougez. Dépose ça. Déposez. Oya, sortez. Je pars. Bougez. Regardez comme elles ressemblent à des sorcières. Oh, Dogo, s'il te plaît. Dehors. Sortez d'ici, sorcière. Regardez-les. Bande de grosses... de grosses sorcières. Sorcières. Foutaises. Votre majesté, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Aïe. Ah, ah. Pas étonnant. Elles ont l'air... Tu peux imaginer? Somto, je suis vraiment désolé, hein? Je sais que je t'ai blessé. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je n'ai rien contre toi. Vraiment, c'est vrai? Tu me pardonnes? Oui. Oh. Comment pourrais-je faire du mal au père de mon enfant à naître? Qu'est-ce que tu as dit? Je suis enceinte. On aura bientôt un héritier pour le trône. Mon Dieu, viens par là. Merci. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Tu m'aimes? Oui. Je t'ai toujours aimée, et ça depuis longtemps. Thank you.
jour mémorable. Un jour mémorable. Vraiment mémorable. Ça. Tiens, il arrive. Votre Altesse. Igwe. Igwe. Cher ancien, je suis tellement heureux aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que je veux vous présenter... le futur, ouais. L'héritier du trône du royaume d'Iba. Ouais. Merci, votre majesté. Ibeko Kwenyo. Hey. Mwano. Hey. Zwano. Hey. Onu Nuzwano. Igwe. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Thank you.
Thank you.